Africarize. Building an ICT-based science and technology network on managing African weeds of rice. A workshop to mark the end of a 3-year project on African weeds of rice called AfroWeeds was held from 24 to the 26th of September 2012 at Africarize, Benin. The project was funded by the European Union ACP Science and Technology Program and led by CIRAD and Africarize. It was carried out in close association with national partners. The main objective of the AfroWeeds project was to improve the management of weeds in West and East African lowland rice cropping systems through the sharing of information, particularly relating to weed management practices and the development of weed identification tools. Africarize weed scientist Dr. Yona Rodenberg said, "The AfroWeeds project has two major outputs. One of the outputs is a weed identification tool that can be used online and offline on laptops, on CD-ROMs, or as an app on smartphones and electronic tablets. And the second major output of the AfroWeeds project is a collaborative network which is freely accessible online and which we use to share information with peers, people who are interested in weed problems in rice in Africa. We have these the tool and the network in two languages, in English and in French. And for the continuation after the project, we are planning to find additional funding. 125 people have shown interest already in the network, which is quite an achievement already, because there are not so many weed scientists in Africa. Everyone who has the slightest interest in weed problems in rice are most welcome to join our network." Dr. Ruth Kaibanyo-Ro, agronomist from the Uganda National Agricultural Research Organization, observed, "Because since I started working on weed management, identification of weeds has been a big problem. I have to first go to the botanists. If I fail to identify the weed, as a weed scientist, I always carry the sample to the university where we have a botanist. And until this botanist identifies the weed, that I can understand what type of weed species I'm dealing with. So right now, like this tool, the kit, I think I will disturb less the botanists. I can go to the field myself and identify the weed." CIRAD weed scientist Dr. Thomas La Bourgeois briefed, "Ce projet a démarré en 2009 et se termine maintenant fin 2012. Il a été financé par le programme ACP Sciences et Technologies de la Commission européenne. Et il a pour but de renforcer les compétences et les connaissances sur les mauvaises herbes du riz en Afrique au travers d'outils informatiques tels que sites web, plateformes collaboratives pour permettre les échanges d'informations, de documentation et de connaissances entre les différents partenaires, d'outils d'aide à l'identification assistés par ordinateur, et puis bien sûr une base de données qui contient toutes les informations que nous avons pu accumuler sur les mauvaises herbes, que ce soit des descriptions, des photos, des échantillons d'herbier ou des recommandations sur le désherbage. Donc, cette semaine, nous avions l'atelier final de ce projet. Nous avons pu présenter l'ensemble de ces outils, leur interconnexion, l'utilisation que l'on pouvait faire de ces outils à un certain nombre de membres qui ont participé à cet atelier. Nous avons testé les outils au champ, et notamment les outils d'identification et d'accès aux informations sur les espèces. Et nous venons de clore ce projet avec la perspective de poursuivre évidemment les activités qui ont été démarrées au travers de ce réseau de malherbologues africains et bien sûr de continuer à alimenter la base de données et à faire vivre cette plateforme collaborative." Sarlif Diak, Rice Program Officer in the state-run Society for the Development and Exploitation of Land in the Senegal River Valley, said, Au terme de ce projet, nous avons pu mettre en
place deux outils extrêmement importants. Un outil qui est un logiciel d'identification des mauvaises herbes. À partir de cet outil, vous pouvez, en mettant les caractères d'une variété, d'une espèce de mauvaise herbe donnée, identifier la variété, ou l'espèce plutôt, et avoir toutes les informations relatives à cette espèce et les moyens de contrôle de cette espèce. Le deuxième outil maintenant, il s'agit d'une plateforme collaborative qui constitue une sorte de réseau de l'ensemble des scientifiques, des techniciens travaillant donc sur les mauvaises, sur le riz. Il constitue donc un espace d'échange et de collaboration et permettra donc aux différents partenaires d'échanger et de discuter sur la problématique des mauvaises herbes en riziculture. La problématique des mauvaises herbes en riziculture est un sujet extrêmement important. Et venir à bout de cette contrainte signifierait donc une avancée significative vers l'autosuffisance en riz, qui est maintenant un objectif de l'ensemble de nos pays, donc subsahariens, de l'Afrique subsaharienne. For more information, visit www.afroweeds.org.